Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africaine 24. Je pense vraiment que l'armée togolaise, il y a une partie de l'armée togolaise qui a les compétences, qui sont formées pour, mais ces militaires-là ne sont pas envoyés sur le terrain. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'armée togolaise, c'est une armée clanique, c'est une armée où le tribalisme, la xénophobie, la discrimination règnent à fond. Par exemple, vous trouvez des soldats, parce que tout simplement, ils sont du sud, ça fait 20 ans qu'ils sont au sein de l'armée et ils ne sont que première classe. De l'autre côté, vous trouvez d'autres soldats, parce qu'ils viennent, par exemple, de l'ethnie du président. Au bout de 2 ans, ils sont des gens capitaines ou généraux. Donc, quand on prend ces facteurs, ces problèmes qui règnent, et les lieutenants-colonels, les hauts gradés de l'armée, qui ne cessent, comment dire, de transformer une partie des militaires togolais en espèce d'esclaves, hein, parce qu'il y a beaucoup de militaires togolais qui ne sont pas au front, qui ne sont pas dans les casernes, mais qu'on envoie, par exemple, qui travaillent dans les champs de coton, les champs de maïs, les champs de manioc pour les généraux de l'armée. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ils n'ont pas le droit de refuser. Donc, à un moment, quand on prend ces facteurs, ces militaires qui, par exemple, d'autres sont recrutés, mais ne sont pas dans l'armée. On constate rapidement qu'il y a l'armée, mais il y a la milice dans la milice au sein de l'armée. Beaucoup de militaires qui meurent en ce moment au nord du pays, je l'ai révélé, n'ont même pas de carte militaire. Et parce que l'armée togolaise n'a pas de statut. Vous le savez, je vous le dis, et je pense que le monsieur qui est là dans l'émission doit être au courant, l'armée togolaise n'a pas de statut. Et je découvre que quand les militaires togolais vont en mission pour l'ONU, ils sont obligés d'utiliser le statut de l'armée béninoise pour aller en mission. Parce qu'au Togo, l'armée n'a pas de statut. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de désertions, beaucoup de déserteurs, parce que les jeunes se rendent compte qu'ils n'ont pas les conditions, ils n'ont pas les moyens matériels pour aller lutter contre le terrorisme. Donc tous les jours, il y a une désertion au sein de l'armée, malgré qu'ils essayent de recruter, mais on voit qu'en ce moment, il y a un problème et le ton monte en ce moment entre les soldats et une partie des hauts gradés de l'armée. D'ailleurs, les officiers supérieurs n'ont pas hésité il y a 2 jours à supplier les soldats de leur dire de ne plus m'envoyer des informations, de ne plus rien me transmettre. Et il y a une partie des officiers togolais qui ont fait une délégation pour se plaindre parce que récemment, il y a un officier, un lieutenant, presque capitaine, qui a été tué au front. La famille n'a reçu que 150 000 francs TFA pour l'enterrement. Et d'autres familles sont obligées de faire l'enterrement de leurs proches alors qu'ils n'ont même pas de corps, ils n'ont même pas le cadavre et ils ne reçoivent même pas les pensions de ces militaires qui meurent au terrain. Où va ces sommes? Encore une fois, ce sont les hauts gradés qui les détournent. Et le président de la République est au courant. Ils sont tous au courant, ils sont tous complices de ce qui se passe, de ce que subissent ces pauvres gamins, parce que ce sont des gamins qui ont à peine 18, 19, 20, voire maximum 25 ans qu'on envoie à l'abattoir. Et vous l'avez vu, le président de la République togolaise, qui est le chef des armées, n'a même pas publié une seule photo, ni un message en faveur de ses propres militaires, ces soldats qui meurent. Ils ne reçoivent même pas d'honneur militaire quand ils meurent. C'est comme si on essaye de masquer l'existence de ces militaires qu'on déploie sur le terrain parce qu'en réalité, ces militaires n'ont pas de carte militaire et n'ont pas de statut. C'est comme s'ils n'existent pas dans l'armée, mais ils sont là seulement quand il faut les déployer sur le terrain. Donc c'est tout cela qu'il faut changer. Sinon, ils ne pourront pas gagner le terrorisme. Et j'ai dénoncé cela et j'ai parlé aussi sur le plan social. Et vu qu'en ce moment, ils sont en train d'envoyer des camions pour dire qu'ils font des actions pour les déplacer internes, les réfugiés internes, etc. Oui, c'est bien de le faire une fois, mais ce n'est pas seulement une fois. Il faut le faire tous les jours. Et tous les Togolais qui vivent au Togo connaissent très bien la paupérisation du nord du Togo. Vous savez, vous allez au nord du Togo, je vous dis, c'est comme si on vous projetait au 10e siècle sur la planète Mars. Hein, la vie s'est arrêtée là-bas. Donc, face à cela, c'est tout à fait normal que la France utilise ces régions pour faire proliférer le terrorisme. Et en ce moment, l'ambassade de France au Togo commence à mener des actions au centre du Togo à partir de Sokodé pour dire oui, pour maintenir la paix à travers le pays, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. L'objectif est d'empêcher le Togo d'avoir accès à ses ressources parce que le nord
du pays qui est attaqué, il y a de l'or, il y a plein de ressources dont les Français ont besoin. Et selon nos enquêtes, il y a des trafics entre les groupes criminels terroristes qui sont déployés là-bas avec le Bénin, partie du Nigeria, des trafics de pétrole, de l'or, etc. Donc tout ça, si nous on est au courant, forcément l'armée togolaise est au courant, les autorités togolaises sont au courant, mais ne peuvent rien faire parce que ce sont les officiers français qui décident de comment la lutte, soi-disant, contre le terrorisme, qui est terroriste, qui on doit tuer, qui on ne doit pas tuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.